Bonjour tout le monde, moi-même c'est Dr. Alexandra Bastiani. Moi, c'est un membre Canadian Women's Heart Health Alliance, une organisation pour santé cardiovasculaire CAIFOM. Moi, c'est un représentant de Wear Red Canada, une journée pour célébration de santé cardiovasculaire CAIFOM. Et journée ça a passé le 13 février 2022, il y a passé chaque année. Dans le contexte ça, nous voulons partager 5 messages importants. Premièrement, est-ce que nous te connais que maladie cœur a augmenté? C'est une maladie qui cause normalement en pile femmes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2015, il y a une augmentation de la mort des femmes à cause de maladie cœur. On nous quelques raisons pour expliquer le phénomène ça. Puisque 50% femmes pas reconnaître symptômes crise cardiaque. Et puis, est-ce que nous te connais que femme qui a senti 3 ou bien plus symptômes l'ayant crise cardiaque frappé yo? En ouais, symptômes qui plus communs. Douleur dans le ventre, tant cou cœur serré ou bien l'estomac calculé, bien douleur dans mâchoire, cou, bras ou bien même dans le dos. En pile souhait, plus que normal, bien problème respiration, et puis bien ventre fait mal, gonflement ou bien envie vomir. Gain symptômes qui plus commun qu'à femme tout. Gain faiblesse ou bien fatigue, douleur dans dos, épaules ou bien dans bras droit, gain problème pour dormir, vertige ou bien tête virée, gain palpitation qui veut dire les cœurs battent fort, les ou ca sentir battre dans poitrine. Si vous pensez yon moun a fait une crise cardiaque, pas tant non, cherchez attention médicale immédiatement. Relez 911 tout de suite. C'est important pour nous connaître que la cause maladie est différente entre femmes et garçons. Il y a une maladie artère coronaire, ça veut dire en pile cholestérol qui chita dans l'artère cardiaque. Il y a une maladie valvulaire, ça c'est une maladie qui touche les valves cardiaques. Et puis il y a une arythmie ou bien un battement irrégulier dans le cœur. Tout ça, c'est cause maladie cœur. Il y a une condition que les femmes ont plus de chance de rien passer garçon. Il y a une dissection spontanée dans l'artère coronaire, qui ont déchirure dans l'artère. Il y a un vasospasme coronaire, ça arrive les artères ont serré sur eux-mêmes. Il y a une malfonction microvasculaire, qui est maladie dans les petites artères. Il y a une cardiomyopathie tachotubo, qui ont maladie dans le muscle cardiaque, qui arrive à cause du stress. Il y a une cardiomyopathie péripartum, qui ont maladie dans le muscle cardiaque en tout, mais qui arrive pendant ou bien après grossesse. Ça veut dire c'est que femme gagne plus gros risque maladie cœur par ces garçons. Femme première nation dans Canada gagne plus chance pour yo gagner maladie cœur tout. Femme qui sorti Asie du Sud, femme noire, espagnole ou femme qui sorti Asie de l'Est gagne plus facteurs de risque pour maladie cardiaque. Mais on l'autre message important. Condition ça yo capable bay pi gros risque maladie cœur. Gen problème pendant grossesse non, problème cœur. Gen ménopause précoce, ça veut dire règle yo qui rete avant l'âge 50 ou bien 52 ans. Gen syndrome ovaire polykystique, gen maladie inflammatoire ou bien encore maladie auto-immune. Un exemple que kam ba ou c'est arthrite rhumatoïde ou bien lupus. Gen cigarette et puis diabète ou bien moun qui fait sucre. Bonne nouvelle là, c'est que nous ca prévenir 80% dans facteurs de risque ça yo. Gen en pile nous capable faire pour aider réduire risque. Ça ou ca faire, c'est faire activité physique, continuer déplacer, manger yon variété manger qui bon pour santé, légumes et fruits, gérer stress ou vivre sans fumer cigarette électronique ou bien cigarette normale et puis limiter alcool ou bien drogue et puis faire test régulièrement. Aller au docteur pour faire test au moins une fois par année. Nous voulons pour vous faire attention à tout parce que pour prendre soin de l'autre monde, il faut pour prendre soin de tout avant. Et puis, pas oublier de participer dans la journée Wear Red Canada qui a passé le 13 février. Merci en pile.